Capsule sur les gélules Copaiba. Alors, les gélules Copaiba, pour ceux qui ne veulent pas prendre l'huile à l'interne parce que vous n'aimez pas le goût ou peu importe, c'est une super bonne alternative. Le Copaiba, il va vous aider au niveau, toujours dans mon Essential Life, au niveau du système respiratoire, au niveau du système pulmonaire, au niveau aussi de l'humeur. Ensuite de ça, il va apaiser les sentiments d'anxiété. Il vous donne aussi un soutien au niveau du système cardiovasculaire, immunitaire, digestif. C'est un puissant antioxydant. Et puis, dans le fond, c'est vraiment votre huile. Donc, si vous voulez pas prendre l'huile à l'interne. Les gélules Copaiba, c'est une bonne option. Puis en plus, ça se met bien dans votre pilulier avec les LLV, puis vos Terazym, vos probiotiques. Donc, Copaiba en gélule au lieu d'en huile. Ça peut être intéressant à ce niveau-là. Je vais vous donner dans le fond l'information sur Copaiba en huile. Ça va vous donner j'ai perdu mon petit marque-page. Voilà. OK. Donc, Copaiba, dans ses propriétés, anti-inflammatoire, anti-arthritique, analgésique, antifongique, antibactérienne, antioxydant, antimicrobienne. Donc, on dit pour la douleur, l'inflammation, l'arthrite, les facilites plantaires, tout ce qui est respiratoire exactement, la dopamine déficiente. Toujours, ils nous disent toujours, la plupart du temps, c'est prendre en capsule et respirer, oui, pour arthrite. Respirer ensuite de ça, est-ce qu'on en a d'autres? Je vais continuer à vous les donner, là. Donc, l'incontinence, on nous dit aussi en capsule. Les colites et les infections intestinales, toujours. Ah non, celui-là, on a appliqué sur l'abdomen. Les infections virales et bactériennes, donc en capsule, puis aussi sous les pieds. La nausée, les vomissements, la douleur abdominale, donc en capsule aussi, ou en directement le Copaiba, là, mais vos capsules vont vous servir à ça aussi. Ensuite de ça, la peau sec, l'acné, l'eczéma, le psoriasis, endométriose, SPM, on est toujours en interne, l'anxiété, les troubles au niveau du sommeil, puis en application sur les piqûres. Et puis, on dit que le Copaiba, l'huile, est extrait des arbres depuis 30 à 50 ans dans la forêt amazonienne et que c'est considéré comme une des substances les plus anti-inflammatoires de la Terre. Donc, voilà pour le Copaiba. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui.